Je viens de récupérer un colis incroyable, un colis dont je rêve depuis que j'ai genre 13 ans. C'est genre, j'arrive même pas à croire que c'est réel, genre, what the freak, oh my god, j'arrive pas à croire que c'est en train d'arriver, oh my god, what the freak, comment ça c'est réel, comment ça c'est réel. Oh, le packaging qui est incroyable. Bro, oh, il est tellement fin. What the freak. Oh, la couleur, elle est trop belle, my god. Oh. Mais regardez-moi cette épaisseur. Limite, mon iPad, il est plus épais, quoi. Je suis sous le choc. Je suis sous le choc alors que je savais ce qui allait arriver. Hello. My god, mais ma vie est sur le point de changer là. Genre les bords de l'écran sont minuscules, c'est incroyable. Mais ouais, mais du coup, ça fait genre, en fait ça fait depuis que je sais que les MacBooks existent, que je veux un MacBook. Quand j'étais petite, j'ai vraiment grandi en faisant des vidéos et j'ai grandi avec YouTube. Et mon rêve c'était d'avoir un MacBook pour pouvoir monter mes vidéos. Parce que moi je montais avec Movie Maker. Je sais pas si vous connaissez Movie Maker, mais genre c'était... Enfin, je sais pas si ça existe, enfin, je pense que ça existe encore et que ça doit être mieux, mais c'était le logiciel gratuit de Windows. Et sur MacBook, le logiciel c'était iMovie. Et je rêvais de pouvoir avoir iMovie parce que tout le monde montait ses vidéos avec iMovie sur YouTube. Et bah ouais, du coup j'étais vraiment genre en mode, j'en rêvais de ouf. Et depuis, j'en rêvais pour encore plus d'autres raisons, genre déjà pour faire du montage partout, pour écrire partout, pouvoir ouais, travailler dans des cafés et tout. Que ce soit plus facile pour, parce que j'ai un iPad, donc pour ma boutique, que ce soit plus facile. Donc pour les trucs d'art, que ce soit plus facile. Et là, du coup, récemment, pour pouvoir faire de la musique avec GarageBand, qui est un logiciel gratuit sur Mac, qui n'existe pas sur Windows et que j'ai sur mon iPad. J'arrive à manger 6. Après, là, c'était pas prévu que ça serait bon. C'est pas de problème, ça. Oh my god! Oh my god! Oh my freaking god! Tadam.
It's just, I think it's like if we make an exception for you. Will you eat anymore? Because that's what it feels like. All right, we'll enjoy the night game. We have a deal? Ce matin, j'ai rendez-vous avec Pôle emploi pour savoir s'ils peuvent me financer ma formation. Oh, je suis fatiguée. Payer quoi. C'est mon prof qui me l'a envoyé donc lui non plus. Mais je suis allée avec toi, j'ai connu. Genre ça fait vraiment. Et là je l'ai trouvé à 110 sur LinkedIn. Ça va genre sur un. Ça va dans les mêmes prix. Donc... Ah non, bonjour, ok. Et je lui ai dit genre, j'ai une requête un peu spéciale, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas trop de goût. Et elle m'a dit genre, ah mais c'est toi qui aime bien les bubble tea fades et tout. Je peux pas. En fait, on avait mal compris, on a cru qu'on avait rendez-vous chez... I'm home. Hi. Alors, je vais commencer un nouveau livre. Je suis encore en train de lire celui-ci, All the Lovers in the Night. Mais j'ai envie d'un truc qui est pas un contemporain. J'en suis à ce projet-là. Je l'abandonne pas. Oh que non. Genre je l'aime trop vraiment. Mais j'ai pas envie de me forcer à lire alors que j'ai envie d'un truc genre fantasy slash science-fiction slash juste pas contemporain. J'ai envie d'un peu de trucs différents. Donc je vais mettre en pause. Enfin mettre en pause. Je le lirai quand même de temps en temps je pense. Mais là je vais commencer un nouveau livre. Un livre que je veux lire depuis hyper longtemps. The Poppy War. Oh my god. Mais ça fait... tellement longtemps que je veux ce livre, que je veux lire ce livre et que j'en entends tellement de bien. Let's go. On va partir sur ça. J'ai un peu peur, il est gros. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu le gros livre. La dernière fois que j'ai lu un gros livre, c'était pour le readathon de la semaine dernière et c'était 340 pages. Donc c'était pas un si gros livre. Là, il fait plus de 500 pages. Je crois qu'il fait combien? 530 pages. Ça fait peur. Ça me fait peur. Mais voilà, j'ai envie de le lire, j'ai envie de le commencer. Et je me suis dit qu'en même temps, j'allais vous présenter mon matériel pour faire des annotations dans les livres parce que j'adore annoter les livres. Celui-ci, je l'ai annoté en mode un peu low-key, genre juste surligné et souligné. Mais j'aime bien aussi dans les livres faire des petits dessins. Genre de réaction et je trouve ça trop drôle et j'aime trop faire ça, j'aime trop annoter, écrire des trucs et tout, et donc dans celui-là je pense que de ce que j'ai vu les gens aiment bien la noter, du coup je me suis dit que j'allais la noter aussi. Bon du coup pour les tabs j'utilise cela et je sais pas deviner, je m'en rappelle plus, genre j'ai vraiment essayé de chercher, je me rappelle plus où je les ai eu mais je pense que c'était sur un site un peu genre pas cher vous voyez malheureusement, parce que c'est dur à trouver en magasin genre, mais voilà c'est ce que j'utilise. Ensuite, mes surligneurs que j'utilise, ce sont ces highlighters-là qui viennent de chez Normal. Je les adore parce qu'ils sont hyper pâles. Bon, des fois, je suis obligée de repasser dessus parce qu'on voit vraiment rien. Mais j'aime beaucoup que ça soit pas flashy parce que flashy, j'aime pas du tout. Et pour le stylo que j'utilise, c'est un Muji. Alors, mon préféré. Mais mes stylos préférés viennent de ces Muji tous. Malheureusement, il y a peu de magasins en France. Il n'y en a pas dans ma ville, donc j'en achète du que quand je vais à Paris, donc je fais mon stock quand je vais à Paris. Sinon vous pouvez commander des faux en ligne. Mais du coup ouais, le Muji c'est un gel, c'est pas un bic, je préfère les gels pour annoter. Et la pointe c'est un 0.38, c'est ma pointe préférée pour annoter. Et pour les post-it, alors j'en ai des nouveaux que j'ai eu, c'est Muji aussi, mais je pense que vous pouvez en trouver autre part. Ce sont ceux-là, c'est des petits post-it craft. J'aime tellement mettre des post-it dans les livres et écrire dessus, vraiment. J'aime trop. De toute façon, j'aime trop annoter mes livres, c'est hyper satisfaisant, ça rend le livre un peu personnel et ça crée un lien entre toi et le livre. C'est un peu cheesy de dire ça, mais voilà. Donc, c'est mes nouveaux que je vais utiliser. Et voilà, let's go, commençons The Poppy War. Ah, c'est sorti en 2018 ? Quand même, ça commence à être vieux, hein. Enfin vieux. Let's go.
Ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu un livre avec une carte dedans. J'ai tellement hâte. J'ai trop peur. Let's go. Maintenant, on va faire du crochet. Oh my god, on va lire et faire du crochet. Mais mon livre, oh my god, il est trop bien. Alors, je me mets dans le lit et je vous en parle. Mamma mia. Mamma mia, comment mon livre, il est trop bien. Oh my god, j'en suis là. Bon, relativement, j'ai pas lu tant que ça. Mais pour moi, j'ai lu vraiment beaucoup. Je suis à la page 94. Comment, c'est trop bien. Mais alors là, mais oh my god, je suis trop contente. Ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas lu de fantasy. Et je suis trop contente. J'ai une tête de morte. Ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas lu de fantasy et je suis tellement contente d'en relire, d'être dans le mood et tout parce que comment c'est trop bien. Oh my god, je suis choquée de comment j'aime trop. J'avais pas lu le résumé avant, j'avais jamais lu aucun résumé. Enfin si, j'avais sûrement déjà lu un résumé mais en tout cas je m'en souvenais plus d'aucun résumé. Et du coup quand je l'ai commencé je savais pas le résumé. Je suis trop contente parce que oh my god, ça m'aurait sûrement spoilé des trucs. Ça m'aurait fait manquer quelques petits moments de wow, de wow. Oh my god, non mais j'aime trop, c'est un truc de malade, comment j'aime trop. J'aime vraiment trop. Ah je sais, bah du coup maintenant d'en parler, je sais plus si je veux lire ou si je veux faire du crochet. Mais en fait j'ai trouvé un truc trop mignon à faire en crochet, je vous le mettrai là. Genre en fait j'ai trouvé une nouvelle chaîne YouTube avec plein de trucs trop mignons en crochet. Mais oh my god, vraiment tout ce qu'elle fait, j'ai envie de le faire. Du coup je sais pas ce que je vais faire. Oh my god, l'IRM, mais on en parle de l'IRM comment c'est horrible comme moment. Ah, on m'avait déjà dit que ça faisait du bruit, blablabla et tout, mais oh, quelle horreur. Genre t'as l'impression que la machine elle est en train de faire d'engager le système d'alarme de l'hôpital. Genre c'est un truc de malade, comment c'est horrible. Genre moi qui suis une personne qui supporte très mal les bruits forts, ah, c'était horrible, c'était horrible. Bon en vrai ça va, genre c'était pas si terrible que ça. J'en rajoute peut-être un peu, genre j'ai pas fait de crise d'angoisse ou quoi, donc ça va. Ah non, c'est ça mon... Damn, la barre est très basse. Bref, ça s'est bien passé, j'ai pas de problème à la tête, tout va bien, voilà. Maintenant, je suis enfin chez moi, il est presque... Je crois qu'il est 17h30. Je vais passer tout le reste de la journée à faire du montage, lire et faire du crochet. Je suis trop contente. Voilà, donc je vais commencer par faire les trucs en crochet, je pense, parce que j'ai vraiment trop trop envie de les faire. Et si je le fais pas pendant que je serai en train de lire, je vais y penser et ça va m'empêcher de me concentrer sur ma lecture. Donc je vais commencer par ça. Et voilà. Oh my god, oh my god, oh my god, faut que j'aille voir mes statistiques YouTube. En fait, sur YouTube, je perds à peu près 100 abonnés par mois. C'est horrible, c'est très triste. Ça me donne des coups au moral très souvent. Mais là, ces derniers temps, les statistiques ont commencé à se retourner un peu. Et je perds beaucoup moins de followers. Et hier, j'en avais perdu 2, je crois. En gros, ça me calcule sur les 31 derniers jours. Hier, j'avais moins 2. Et là, j'ai envie d'aller voir si c'est positif, je pète mon crâne. Oh non! Non! C'est reparti, non! C'est reparti! C'est maintenant, je suis à moins 4. Oh bah non, mince! Oh, j'avais trop l'espoir! C'est pas grave. Mes dernières vidéos, elles ont pas mal plu, donc je suis contente. Heureusement, si c'est des vidéos de livres, alors les livres, ça plaît pas mal. Ok, bon, on va mettre un petit film. Hier, j'ai essayé de faire un lapin avec de la laine, mais ça n'a pas marché, ça m'a fait péter un câble.
Hier, genre, il était hyper tard et je voulais absolument finir de retranscrire un pattern. En gros, c'est parce que je les note toujours à l'écrit, les patterns, parce que je préfère les suivre à l'écrit comme ça que passer toujours à la vidéo et tout. Donc je regarde la vidéo, je les retranscris à l'écrit dans ce petit carnet. Et hier, j'ai voulu absolument le faire avant de dormir, mais j'étais éclatée. Et j'ai quand même fait épurer, il m'a pris 4 faces. Oh my god. Ah, on voit pas, mais je regarde Barbie. Je l'avais pas encore vu. Hello, je suis en train de monter la vidéo et je voulais vous dire au revoir parce que j'ai pas trop de fin à ce vlog et je voulais pas que ça se termine de manière aussi abrupte. Du coup voilà, j'espère que le vlog vous aura plu. C'était une semaine pas facile en vrai, genre heureusement que j'ai commencé mon livre et qu'il était très cool parce que sinon genre j'ai fait trop plein de trucs chiants et tout. Les problèmes administratifs sont toujours pas réglés et ça me tue vraiment, ça me rend tellement anxieuse H24, c'est horrible, j'en ai marre, je suis pas faite pour gérer les trucs comme ça, genre vraiment mon cerveau il est pas fait pour gérer ça, donc c'est très dur et du coup là, cette semaine j'étais très très anxieuse et du coup c'était pas une semaine facile mais je me suis amusée à faire ce vlog comme d'habitude et je me suis amusée à le monter aussi, donc j'espère qu'il vous plaira, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de prendre bien soin de vous, c'est hyper méga important, faites des trucs que vous aimez, essayez de caser dans votre emploi du temps des trucs que vous aimez faire. C'est très très important. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!